Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Playon sur Majora's Mask. On retrouve toujours notre petit Link avec son petit masque tranquille et je suis sorti par la porte sud pour vite faire ramasser quelques rubis. Et on va tout de suite se diriger vers le sud parce qu'on va aller au sud, toujours au sud, et on va faire une des premières quêtes, si je peux appeler ça des quêtes. Et en même temps... Ah oui, du coup je vous ai passé une petite cinématique sans... Ah bah non, impec. Je crois qu'elle est là. Oui, c'est la cinématique que je vous parlais. Je vous parlerai tout à l'heure des petites nouvelles concernant la chaîne. Ah, je me souviens. Tael et moi avons dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il l'avait abandonné. On apprend vite que Skull Kid est un psychopathe depuis pas mal de temps, en fait. Hein, puisqu'il n'a pas d'amis, veut se battre avec tout le monde. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. On sait juste qu'il est un petit peu perturbé dans son esprit. C'est un peu étrange. Donc là, on a le droit à un joli petit flashback so poétique de la rencontre des fées, des deux fées, Tael et... Comment s'appelle la nôtre ? Taya, je crois. Je sais plus. Avec Skull Kid... qui doit faire méga peur sans son masque. À ma connaissance, il est pas très très rassurant et pas très sympathique. Oh mon dieu. C'est super rassurant. J'adore le bruit qui va avec. Je sais pas si vous l'entendez bien. Normalement, le son est pas mal, donc... Oh, c'est tellement mignon horrible. Oui, voilà, Skull Kid est mignon horrible. C'est un peu étrange, mais bon. Ok. Donc ça nous raconte qu'il était beaucoup plus heureux avec ses deux petits copains fées, là. Mais bon, n'empêche qu'il fait toujours flipper. Apparemment, ils avaient fait ce dessin ensemble quand Skull Kid était encore à peu près normal, on va dire. Quoique un poil dérangé, mais à peu près normal. Je suis sûre que c'est parce qu'il joue toujours des mauvais tours que personne ne veut être son ami. Tu m'étonnes. Mais enfin, de là à faire ce qu'il a fait... Oui, parce que Skull Kid ne s'est pas arrêté là. Apparemment, il a attaqué le gars des masques, qui fait peur aussi, d'ailleurs. Un jour, on trouvera un personnage normal. Et donc, il a trouvé après le masque de Majora. Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Effectivement. Donner un couteau à un psychopathe et il vous fait une petite boucherie. C'est un peu le même principe, en fait. Sympa. Donc, après cette petite force de flashback un peu étrange, on peut continuer notre route. Le masque du lapin, j'ai bien fait de le récupérer à l'émission d'avant. Ça vous a permis de voir comment on fait pour l'avoir. À l'épisode d'avant, pardon. Parce que du coup, je peux aller plus vite et c'est un gain de temps déjà. Les rubis, maintenant, je sais comment les conserver. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à les ramasser. J'aime pas les chauves-souris. Bon, écoutez, on va partir de là, on va se dépêcher, mais avant on doit récupérer, attendez, hop, ça va, il meurt en un coup, c'est les premiers ennemis. Ah zut, j'ai pas verrouillé la cible. J'ai encore du mal avec les contrôles de... Oui bon, c'est bon, on a compris, je redeviens un Link Mojo tout mignon pour... Ah zut... Ouais, ça va pas être pratique. Attendez, je me fais un peu embêter là. On va peut-être mettre à mort ces bestioles. Et après, on verra. Si elles me rattaquent, elles vont me rattaquer, bien sûr. Où qu'elles sont. En plus, ça se voyait pas, presque pas. Allez, viens. Viens. Attention, phase d'action. Et toi, aïe! Non, d'accord. Epic fail. Allez, viens, copine. Je te veux pas de mal. Enfin, presque. Voilà.
qu'on n'aille pas se faire embêter, il faut qu'on récupère la carte par Jingle. Hop, on va se remettre en machin. Je vous passe à chaque fois la cinématique qui est un peu agaçante à force. C'est pas... Mais c'est pas vrai, ça. Il y en a encore une. Bon, décidément, c'est pas mon jour, aujourd'hui. Voilà, enfin. Oui, c'est cela. Tingle est un peu... Du coup, il nous rabâche son discours à chaque fois, je suppose. Si qu'on a remonté le temps. Voilà, exact. Pia, 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 voilà, allez, raconte-moi ta vie, je vous passe les détails. Hein. Et oui, je voudrais acheter la carte du bois cascade, s'il te plaît. Je récupère toujours les cartes, on me l'a conseillé de bien les prendre dès que possible, de manière, je vais pas traverser à l'aveuglette. Voilà, on va se rendre vers le sud, et justement, ça vient de me revenir, je voulais vous dire un truc, c'est que... J'ai été accepté sur Care Network, donc vous voyez peut-être sans doute de quoi il s'agit, donc la plateforme des tests de jeux vidéo, des aventures suivies, bref, vous comprenez le principe. Et bah déjà j'en suis ravi, c'est vraiment cool, donc je vous inviterai, vous verrez qu'à la fin, j'ai rajouté un lien en plus des abonnements YouTube, etc. Vous allez voir... Donc vous pouvez également suivre les émissions. En plus, c'est pratique pour être au courant de toutes les... Ah zut ! De toutes les sorties de chaque épisode, etc. Donc là, les épisodes, je les sortirai petit à petit. Y compris les épisodes de la saison dernière sur l'épisode de Medieval. Comme ça, ça lui permettra de... d'être un petit peu plus connu à lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de mal. Je vois que Majora's Mask marche assez bien. Dans le sens où c'est un jeu rétro qui plaît assez. Et qui, vu qu'il est un peu plus connu. Hop, donc là on utilise le petit mojo pour traverser les nénuphars. Je l'enlève à chaque fois parce que ça me stresse, il va pas vite. Et on va aller vers le sud toujours. Hein. Peut-être vous passer les détails avec les monstres, quoique c'est toujours un plaisir. Hop, et on arrive. On arrive où ? C'est quoi ça ? Parce que autant il y a des passages, je me suis renseigné un peu pour pas perdre trop de temps, mais autant il y a des trucs que je ne connais pas. Ça vaut, c'est bien. Ok, super. On va monter pour voir. Parce que le but, c'est d'avoir notre première quête. Enfin, quête, oui. Je sais pas si on peut appeler ça des quêtes pour Zelda, mais oui, probablement. Hop, donc on y va. Donc l'épisode, cette fois-ci, sera un chouïa plus long, mais quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est normal. Celui-là, je suppose qu'il durerait 15 à 20 minutes. Bonjour, madame. Bonjour. Hey, bienvenue, tes potions sont très grande qualité, sûrement. Bonjour. Si seulement j'avais des champignons parfumés, puis sur Star pour... Hein? J'en ai pas des champignons. Il y a très longtemps, mon puissant odorat pouvait les repérer où qu'ils poussent. Tu m'étonnes. Mais récemment, mon nez a perdu son odorat. C'est ballot. Oh, je ne peux pas vieillir. Ok. Elle a une barbe? Qu'est-ce que c'est? Elle me fait un peu peur, on dirait les triplettes de Belleville. Enfin bon. Je sais pas si elle était censée me donner une quête ou quoi. Vous savez quoi, je vais continuer d'avancer un petit peu. Surtout que maintenant j'ai une carte qui me permet d'accéder au marais. Là je crois pas que j'y suis. Enfin pas... Enfin si, j'y suis dans les marais. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre que j'ai pas de quête. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On va voir. Hein. C'est-à-dire on va explorer un peu, c'est le but. Bois de... Attends, bois de quoi? Je vais trop vite. Bois perdu. On va aller au bois perdu. On verra. Hein. Il y a quelques... Mais c'est quoi ça, hein? On dirait les... Comment ça s'appelle dans Star Wars, déjà? Je sais plus comment ça s'appelle. Toi me suivre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah d'accord, ok. Oh, petit lag, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Wow. Gentil singe. Wow. Comment je fais pour me battre avec ça? Il est parti où, petit singe? Petit singe? Ah, je l'ai perdu! J'ai perdu le petit singe! Bon. On y retourne. J'espère qu'il va... Ah oui, il est toujours là. Bonjour, petit singe. Oui, toi, me suivre, j'ai compris ça. Enfin, je te suis, petit singe. Et apparemment, il faut pas le perdre de vue.
Tant pis pour la tortue, je verrai après pour... Ok, c'est par là. Ok, c'est un peu bizarre. Il faut le suivre apparemment, il faut pas lâcher de vue parce que sinon je pense qu'on se perd. Ou qu'on retourne au début, je pense que c'est ça. Ah d'accord, c'est un espèce de petit piège. Ok, d'accord, c'est rigolo. Ok, bon, bah on va retourner. Oui, toi me suivre, je sais, j'ai compris, petit singe. Il est mignon, donc du coup, j'ai du mal à m'énerver contre des trucs mignons. Il va me faire le coup du « je tourne pas par là, je tourne par là ». Y'a quoi? Mais pourquoi les tortues, elles répètent « y'a quoi ?» Je sais pas, c'est bizarre. Hop. Y'a quoi? Aïe aïe aïe, aidez-moi. Ah mais c'est une vieille madame. Qu'est-ce qu'elle veut la vieille madame? J'étais occupée à cueillir mes champignons quand bam, j'ai pris un coup sur la tête. Ce satané Skull Kid, il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne me le connaîtrait pas malgré son masque. Et dire qu'il est aussi puissant que ça, ben voilà immobilisé. Toi, tu posséderais rien qui puisse redonner de l'énergie. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu n'es d'aucune utilité. Il semble que tu n'es pas du tout prétend être. Oups. Je vais peut-être acheter du coup une potion chez la... Enfin, je pense que c'est sa... C'est pas sa mère, non? Bah écoutez, on va retourner voir la sorcière maintenant que je sais comment on fait. On va voir, parce que apparemment c'est un truc de potion. Je suppose qu'elle a des trucs à vendre. Et peut-être qu'il y a d'autres rubis, je suppose que c'est pas donné non plus. Ouais. Donc j'ai raison de casser les pots. Il faut toujours casser les pots dans les jeux vidéo. Ah, sauf les trop gros, parce que les trop gros, ils sont... Comme son nom l'indique, ils sont trop gros. Bon, attendez, on casse tout ça, allons-y. Enfin, si je visse comme un pied, en même temps, ça va pas aller loin. Et les rubis, il faudra pas oublier de les amener à l'espèce de banquier qui est à l'ouest de Bourg-Clocher. En fait, lui, il se souvient de nous, même si on remonte le temps, c'est-à-dire qu'on a un espèce de tampon. Ça, je l'ai fait hors émission pour voir un peu comment ça se goupillait. Et apparemment, ouais, il faut sauvegarder ses rubis de temps en temps. Donc, sachant qu'ils font des petits, ça m'arrange un peu. Bonjour, madame. Madame, bonjour, madame. Hé hé, bienvenue, les potions sont de grande qualité, assurément. Oui, mais ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Skull Kid, il peut le temps dire? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Eh bien, si c'est vrai, amène-lui cette potion. C'est pas bon du tout. Ah bah, j'avais raison. Vous avez obtenu une potion rouge, pas souvent... Hop. Assignez là à l'écran inventaire et appuyez sur C pour l'utiliser. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, on va y aller, hein. On y retourne. Logiquement, il y aura le petit singe qui va nous redire de le suivre. Ça, par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le... Enfin, c'est tant mieux d'un côté, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas le système de... Enfin, je pense que c'est dans tous les Zelda comme ça. Le système de se faire mal quand on va... Oui, toi me suivre, juste un petit singe. Oui, que je disais qu'il n'y ait pas le système où on se fait mal si on tombe de haut. C'est pas plus mal, mais... Oh, il y a encore les... Il y a quoi? Je les évite, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Oui, il y a quoi? Aïe. Le stress avec ces il y a quoi, lui. Il est trop mignon, le petit singe. Et en plus, on arrive à entendre la cloche de là. Ah, ça sent-tu hein, pour ouvrir un écran de section. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. On va sélectionner l'objet à travers le menu pause. On va le mettre à la place de mon
de mon masque Mojo. On la sélectionne et on lui donne ça. Voilà. Mais non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'il est con ! Quoi ? Mais... Mais quelle cruche ! Mais... Ah, c'est pas vrai. Bon. Bon, bah on y retourne alors. Je sais pas, comme si j'avais que ça à foutre. Oui, je sais. C'est bon, j'ai compris. Tais-toi. Bon, bah du coup, je me retrouve avec une fiole vide. Intelligence. Bon. Et du coup, signer start, nanana. Moi, signer un objet, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai visé. C'est pour ça que je comprends pas comment on fait. Ça m'intrigue tout ça. Bon, j'espère qu'elle va m'en redonner une. Elle va m'en redonner une ou pas? Non, ne me dis pas que tu l'as bu. Eh ben, t'es incorrigible. Je trouvais bien. Ouais, bah ouais. Potion rouge. En attendant que vous la buviez, elle se crée stockée dans une bouteille. Bon bah apparemment la vieille elle mince. Elle nous en veut pas trop d'avoir bu la potion, j'aurais dû faire attention. Pour ça je comprends pas trop comment ça s'est goupillé, c'est un peu bizarre. Je suis pas maligne, c'est pas grave. Allez, c'est reparti, poursuivre le pisse. Oui, toi me suivre, on a compris. Gauche. Non, pas gauche. Gauche, droite. J'aurais dû retenir dès le début, je suis bête. Aïe. Gauche, droite, droite. Gauche, droite, droite. Oh. Ah, mais fume. Mais elle les voit que j'ai les potions. Mais non ! Désolée, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai encore fait une erreur. Il y a eu un petit bug. Sans faire exprès, j'ai... Bref. On enchaîne. Cette couleur... Hein. Oh. Elle est un peu vivace, la vieille. Elle me fait très peur. Et j'ai une question. C'est moi ou la vieille a une moustache ? Oh, je sens l'énergie couler en moi. Kume revient à la vie. Kum ou Kume ? Je pense que c'est Kum. Kume. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux faire un tour gratuit. Et je lui rends visite. Ouf, c'est une très très bonne question, ça. Bon. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont, les petits singes? Toi, avoir pouvoir étrange. Toi, moi, t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Frère parti au temple. Au secours. Est-ce qu'ils vont quelque part, les petits? Je vais voir s'il faut encore les suivre. Apparemment, oui. Ouais, bon, on va les suivre. On verra bien après. J'ai eu un petit bug là. Ouais, et j'aurais pas dû y aller non plus en. Non, j'avais oublié que les nénuphars ne marchaient pas en link normal. Hop. Donc, oui. Donc là, c'était l'agence de je sais pas quoi.
Ça alors, je rêve aussi donc cet enfant gâté que je lui souvenir. À son âge, on a autre chose à faire que de chercher des fées. La photo. Un concours de photos. Les réservations sans croisière se font au guichet du bas. D'accord, j'ai pas tout pigé, mais enfin soit. Ah bah, elle est là la vieille. Enfin la sorcière, pardon. Monsieur, pour ton aide précieuse, je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Sous une pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Une boîte à images. Ok, si tu prends une belle photo pour une croisière, porte-la à cet homme là-bas. Ok, bah on va faire la croisière. Je sais pas où ça va nous mener. Peut-être qu'avec l'office, on peut essayer d'aller au palais que les petits singes ont parlé, je sais pas trop. Donc là, j'espère, parce que là, notre vidéo est un petit peu longue. J'avais dit que je faisais des vidéos plus courtes. Ouch. Comment pour descendre? Ah bah, peut-être qu'il va s'arrêter là, non? Ah bah, il y a les petits singes là-bas, je le vois. Et je peux descendre? Nous arrivons au palais Mojo. Tu débarques? Oui. Écoutez les enfants, je pense qu'on va avoir le droit à un espèce de donjon. Alors, je vais probablement vous laisser dans ce premier épisode. Enfin, ça va être la suite, comme d'habitude. Mais ça reste un épisode sur deux de l'aventure des petits singes. Donc, voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Même si on galère un peu ensemble, vu que c'est vraiment un let's play découverte. Hein, donc, c'est assez sympa. Et encore une fois, vous pouvez voir que vous pouvez toujours vous abonner sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est super important. Et n'hésitez encore pas à laisser des commentaires. Vous voyez, Link, il est fatigué, il a envie de faire un dodo. Et également, peut-être à aller sur Gear Network, jeter un petit coup d'œil. Peut-être laisser une petite appréciation. Peut-être un petit commentaire. Enfin, vous faites comme vous voulez. C'était... Liste épaisse, moi aussi, je suis fatiguée. Pour vous servir, comme d'habitude. Salut tout le monde!